Tous les jours, des gens se plaignent sur notre site de payer trop de frais bancaires, d'avoir une banque qui soit pas assez réactive. Donc c'est pour cette raison que je fais autant de vidéos à propos justement des acteurs qui en valent la peine. Et aujourd'hui, justement, nous allons parler de Hello Bank. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, regardez la vidéo. Bonjour à tous, je présente la chaîne de comparatoirement.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et FinTech, pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires et que vous soyez informés justement des dernières innovations en termes de paiement. Aujourd'hui, nous allons parler de Hello Bank. Hello Bank est une banque en ligne, filiale de BNP Paribas. Et qui fait une super proposition pour cette rentrée. Cette proposition est limitée, donc je tenais à vous en parler dès aujourd'hui. Petit teasing il s'agit de 80 euros offerts à l'ouverture et de moins 50 pendant un an sur les offres Premium. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre ce type d'actualité. Vous pouvez également donc liker la vidéo, la partager et poser vos questions ou partager votre expérience bonne ou mauvaise en dessous de celle-ci. Sachez que entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif et j'y mettrai, comme à mon habitude. Un lien souvent exclusif pour accéder justement à la meilleure prime du moment. Allez, on rentre dans le vif du sujet. En ce moment, Hello Bank offre à ses nouveaux clients, donc ceux qui n'ont jamais été clients, et je vais préciser d'ailleurs dans quelques minutes vraiment à quel type de personne est destinée cette offre. Donc bref, Hello Bank offre une prime de 80 euros quel que soit le compte la formule choisie. Donc il s'agira de Hello One ou Hello Prime. Et ensuite sachez que justement eh bien, ces deux comptes haut de gamme, Hello Prime et Duo Prime, donc qui est dédié au compte commun, au compte joint, eh sont à 50% pendant un an. Donc ça, c'est vraiment deux super promotions qui sont cumulées. Et cette offre n'est valable que jusqu'au 27 octobre, donc en sachant que, donc, ok, euh, bon, si jamais vous suivez cette euh, chaîne, vous savez par exemple que bah, Boursorama fait très souvent des offres promotionnelles avec des primes de bienvenue intéressantes. Pour ce qui est de Hello Bank, c'est pas souvent le cas et ça concerne pas souvent Hello One. Donc, je vais vous donner maintenant quelques petites précisions, justement par rapport à ces deux formules, Hello One et Hello Prime. Hello One est accessible à à tous, quels que soient vos revenus, elle est liée avec une carte à autorisation systématique, débit immédiat. Les plafonds sont ceux qui sont, ils sont pas énormes, mais c'est quand même suffisant pour une consommation classique. Et à côté de ça, donc il y a Hello Prime qui est bien plus fourni en services qualitatifs, dans le sens où vous allez avoir une carte qui pourra être à débit immédiat. Ou débit différé les plafonds de retrait et de paiement seront supérieurs et pour accéder à cette offre il faudra pouvoir justifier d'un revenu mensuel net de 1000 euros et quand il s'agira d'un compte commun donc duo prime il faudra pouvoir justifier d'un revenu mensuel net de 2000 euros bon si jamais vous souhaitez plus d'informations justement par rapport à hello one et hello prime sachez que j'ai fait justement une vidéo dédiée à cet effet donc vous pourrez la regarder ou alors tout simplement pour ceux qui aiment lire, qui préfèrent lire dans leur coin, eh bien nous avons les mêmes informations sur le site comparaton.com, en sachant que nous sommes complètement indépendants et que nous donnons une information impartiale. Donc on vous dira à la fois les forces mais aussi les faiblesses sur cet acteur. Donc quand je vous disais qu'il y avait 50% sur le prix de Hello Prime ou Duo Prime, cela signifie que donc les formules passent à 2,50€ pour Hello Prime. Donc qui en temps normal est à 5€. Donc au bout de un an le prix reviendra. Euros par mois et pour du au prime, nous serons à 4 euros par mois au lieu de 8 euros par mois. Regardons maintenant à qui s'adresse cette offre promotionnelle qui est donc limitée jusqu'au 27 octobre. Il faut être tout d'abord majeur, il faut être un particulier, il faut également ne jamais avoir été client de Hello Bank, il faut également pouvoir du moins détenir un compte dans une autre banque située dans l'espace économique européen qui soit à votre nom et prénom car il vous sera demandé en fait de faire un virement versement initial pour activer le compte donc celui-ci peut être de 10 euros et peut aller jusqu'à 300 euros donc cet argent dans tous les cas il est à vous c'est juste qu'il permettra justement à activer le compte et il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où vous avez complété ce premier formulaire que vous avez et qui est accessible en dessous de la vidéo, donc à partir du lien Ouvrir un compte Hello Bank, eh bien il faudra compléter le dossier dans son intégralité et transmettre tous les éléments dans les 15 jours. Regardons maintenant brièvement les atouts de Hello Bank. Je dis bien brièvement parce que ceux qui suivent cette chaîne, eh bien, je sais normalement qu'ils les connaissent. Donc, si jamais d'ailleurs vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les indiquer en dessous de la vidéo. Donc, le premier gros gros atout donc Hello Bank est une banque en ligne, certes. Cependant, contrairement à ses concurrents, eh bien, sachez qu'il est possible d'alimenter le compte en argent liquide et en chèque depuis les automates de BNP Paribas. Vous pourrez également rencontrer les conseillers de Hello Bank. En agence. Du moins, vous rencontrerez du coup les conseillers de BNP Paribas dans le cadre de projets, dans le cadre d'investissements, etc., de questions par rapport à votre argent. Et sachez d'ailleurs également que donc Hello Bank est une banque qui offre un panel de services complet dans le sens où avec eux donc vous pouvez très bien donc, avoir un compte donc, pour particulier individuel ou joint pour avoir un compte également professionnel il y a également le compte avec un livret jeune et une carte donc, dédiée aux jeunes jusqu'à 17 ans ensuite sachez que également ils proposent des solutions d'épargne avec le livret A le LDDS mais également contrairement à tous ses concurrents Hello bank donne accès au LEP donc le LEP, qui est le livret d'épargne populaire, qui est le livret réglementaire le mieux rémunéré aujourd'hui et qui est dédié eh bien, à une population à des revenus modestes. J'ai également fait des vidéos et des articles à ce sujet. N'hésitez pas à les consulter dans la playlist EloBank ou sur notre site comparateur.com. Avec EloBank, il est également possible d'investir son argent. L'investir, que ce soit via des assurances vie ou en bourse. En effet, ils ont tout un panel de solutions. Que ce soit via un SIF ou un PEA, vous trouverez normalement ce dont vous avez besoin avec Hello Bank. Avec eux, il sera également possible de concrétiser vos projets puisque Hello Bank finance vos projets, qu'il s'agisse de projets immobiliers, donc avec du crédit immobilier ou des projets personnels, avec crédit pré-personnel, crédit auto, etc. Pour également donc, assurer et protéger vos biens, donc assurance automobile, assurance habitation, mais également par exemple, assurance pour les produits high-tech. Et enfin, sachez que Hello Bank est certes une banque en ligne, cependant elle est autant sécurisée qu'un acteur classique. Pourquoi et bien Parce que c'est une banque en ligne qui détient l'agrément bancaire comme toutes les banques en ligne, donc c'est-à-dire qu'elle détient le même agrément qu'une banque traditionnelle. A ce titre, elle est bien entendu enregistrée à l'AMF et les fonds que vous déposerez chez elle seront garantis à hauteur de 100 000 euros par le FGDR, au même titre que dans une banque classique. Donc s'il vous plaît, ne confondez pas. Quand vous faites des comparaisons, les banques en ligne, donc les banques les banques en ligne sont très similaires. Vraiment la seule différence c'est qu'il n'y a pas d'agence physique, elles sont juste digitales. Et à côté de ça, il y a les néobanques et les fintechs, les fintechs qui sont des établissements de paiement qui elles ne disposent pas justement de ce fameux agrément bancaire, établissement de crédit. Voilà, donc ça c'était le petit détail. Donc je pense avoir rapidement survoler le sujet. Donc si vous voulez plus d'informations, consultez notre site, consultez notre playlist, tout est à votre disposition. Et sinon, bien entendu, posez vos questions en dessous, j'essaierai d'y répondre au plus vite. Ensuite, sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour répondre à vos questions, pour vous aider à mieux gérer votre argent, à mieux gérer votre budget et à augmenter votre pouvoir d'achat. Le but de comparator.com est clairement justement de vous aider à vivre mieux. Donc certes, l'argent ne fait pas tout, mais on sait qu'il y contribue. C'est pour cette raison qu'on se concentre justement sur ces questions d'argent qui sont très taboues en France. On essaye de survoler et de répondre à chacune de vos questions. On essaye par exemple de réaliser un maximum de profils pour savoir par exemple eh bien, quelle banque choisir quand on est voyageur, quelle banque choisir quand on est un senior, quand on est un bachelier, quand on est étudiant Erasmus, quand on est une start-up. Bref, on essaye vraiment de rentrer. Dans le vif du sujet et d'être le plus précis possible pour vous. Donc, sachez que tous les vendredis, nous faisons une revue de presse pour vous aider justement à y voir plus clair sur ce secteur. Et tous les dimanches matins, nous vous aidons à mieux investir votre argent avec quatre informations qui permettent souvent de diversifier son portefeuille. Et qui dit le diversifier dit souvent le sécuriser. Voilà. Donc, dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.